Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC organisé avec le concours des cabinets d'audit et de conseil Mazars et Bearing Point ainsi que le groupe financier Odo BHF. C'est drôle, comme parfois les noms vont bien aux gens. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je sais pas, toi par exemple, t'as une tête à t'appeler Gabriel. Moi c'est Constantin. Oui, c'est bien ce que je dis parfois. Je vois pas du tout où tu veux en venir. Bah, je trouve que notre invité a un nom qui lui sied particulièrement bien, qui reflète sa personne en quelque sorte. Je comprends vraiment toujours pas. Monsieur s'appelle Branco, B-R-A-N-C-O. Je l'ai, le B de bourgeois par exemple. Voilà, c'est tout à fait ça. Monsieur Branco a grandi au sein du 6e arrondissement, entre la rue Cujas et l'école alsacienne. Il y côtoie alors la jeunesse dorée. La vieillesse dorée aussi, puisque sa famille fréquente des personnalités comme Catherine Deneuve ou Raoul Ruiz, un réalisateur chilien, au cas où tu le savais pas. Tu vois, après réflexion, je ne pense pas que le 6e arrondissement soit totalement un hasard. Les palmiers du jardin du Luxembourg devaient lui rappeler son Andalousie natale. T'as vraiment une tendance à faire des rapprochements douteux. En vrai, plus sérieusement, Monsieur Branco s'assied sur les rangs de Sciences Po en 2007, puis intègre un master en lettres modernes, ce qui sera son tremplin vers la filière littéraire de l'ENS Ulm. Oui, la voie royale, quoi. Celle de tous ceux qui, à leur naissance, ont déjà leur caveau au cimetière du Montparnasse. Eh bien, détrompe-toi, parce qu'après le B, j'ai le R, révolutionnaire. Révolutionnaire. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me raconter. Sciences Po, ENS, il m'a tout l'air d'un grand révolutionnaire d'intérieur, tout de même. Attends de voir un peu. Notre invité a plusieurs faits d'armes à son actif. Après avoir soutenu sa thèse de droit à l'ENS Ulm... Ah, de mieux en mieux. Il intègre l'équipe de défense de Wikileaks, à la tête duquel se trouve Julian Assange. Ah oui, le hacker, lanceur d'alerte, celui qui a révélé la manière dont les États-Unis ont agi en Iran et en Afghanistan, c'est ça ? Oui, exactement. Et figure-toi qu'en 2015, les plateaux télé finissent même par dire que Branco est l'homme de l'ombre de Julian Assange. De fait, je te l'accorde, le R de révolutionnaire lui va déjà mieux. Quoi d'autre ? Et pour ce qui vient, le rouge lui sied davantage, puisqu'en 2017, il défend Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci se plaignait de n'avoir pas reçu d'aide de l'État et ni de protection après avoir été menacé d'attentat. Dis donc, notre invité ne m'a pas l'air d'être en odeur de sainteté avec les États. Les États-Unis d'abord, la France ensuite. Et attends, c'était vraiment pas fini, puisque fin 2018, son engagement prend une tournure toute nouvelle, avec le mouvement des Gilets jaunes. Acquis à la cause des manifestants, il défend Maxime Nicole, Christophe Détinger, des membres éminents du mouvement. Là où certains ne voient que la violence, M. Branco y voit l'amour, la ferveur, le renouement avec le lien social pour des catégories. Le renouement avec le lien social face à Macron. Il y verrait pas un beau spot de pub pour lui surtout ? Le jaune, ça se voit de loin, et c'est l'occasion de s'ériger en défenseur du peuple face à une Macronie qui frise sûrement le despotisme selon lui. Ça serait pas étonnant à vrai dire, surtout que j'ai lu qu'il a une fâcheuse tendance à se mettre en lumière en embellissant son CV par exemple. C'est pas moi qui le dis. Quelle horrible pratique! J'aimerais bien voir ton CV. C'est pas nécessaire, ce n'est pas le sujet de la soirée. J'ai une autre hypothèse. Il a peut-être fait tout ça par jalousie pour Gabriel Attal, son camarade de l'Alsacienne et de Sciences Po. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, sors un peu de Wikipédia, lis la presse People, renseigne-toi. Il lui en veut un peu à son copain d'enfance à tel point qu'il a révélé publiquement son homosexualité. Ok, on a le A. Le A pour Attal. Ah oui, bien vu. Pour Juan Branco, Attal symbolise la défaillance démocratique. Attal, c'est le bourgeois reproduit, arriviste, sans talent ni charisme, qui a simplement bien su placer ses pions. Attal, c'est le pantin de l'oligarchie, de la compromission entre public et privé. Oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Mais il n'y a pas qu'Attal dans le viseur. C'est tout l'écosystème Macron qui en prend pour son grade, dans son lit crépuscule, et en particulier Xavier Niel, le fondateur de Free, actionnaire du journal Le Monde, aurait plus que participé à l'ascension médiatique du président. Crépuscule, oui, tout à fait. 200 000 tirages et plus d'un million de téléchargements. Encore une fois, notre invité ne déroge pas à la règle. Les comptes en banque des révolutionnaires finissent en général assez vite pleins. Tu sais, JB, je crois qu'on vient faire un triplé. Le A de Attal, le N de Niel, tout ça dans le C de Crépuscule. On est vraiment bien. Ah non, pas du tout. En fait, il nous manque le O de Branco. Et je sèche complètement. Je t'avoue que je ne l'ai pas non plus. Mais attends, Monsieur Branco se connaît quand même bien mieux que nous ne le connaissons. Peut-être pourrait-il nous aider ? C'est pas idiot du tout. Monsieur Branco, est-ce que vous auriez un mot pour le haut ?
pour vous décrire ? Oligarchie. On s'y attendait. C'est une bonne idée. J'en ai peut-être un autre. Réflexion faite. Le haut des obstinations. Il en faut quand même un peu pour revenir dans un pays, le Sénégal en l'occurrence, qui a émis un mandat d'arrêt international contre vous. C'est vrai. Et il y a aussi le haut de oser, puisque quand vous êtes revenu au Sénégal, vous étiez déguisé en pêcheur dans une pirogue. Et ça, faut le faire. Je suis sûr que vous êtes mieux dans nos fauteuils. C'est sûr. Très cher public, Monsieur Branco, B-R-A-N-C-O, n'a plus aucun secret pour vous. Nous vous souhaitons un excellent débat. Juan Branco, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous le désirez, vous pouvez revenir rapidement sur cette présentation qui vient d'être faite par Jean-Baptiste et Constantin. Bonsoir, merci pour cette représentation. Merci d'être là. Je pense que c'est toujours important de revenir sur son parcours. Je l'ai longuement fait dans plusieurs ouvrages et entretiens, donc je ne reviendrai pas ici sur ces questions. Ce qui m'apparaît important surtout de souligner, c'est peut-être à travers ces quelques épisodes que vous avez décrits et tous ceux qui restent masqués, la nécessité à un moment de rompre avec un système particulièrement conformiste dans lequel on fait tout pour vous installer au sein de cette institution et de celle auquel vous avez appartenu jusqu'ici. Et ce que l'on essaye de dessiner en creux de nombre de ces polémiques et événements que vous avez décrits, c'est un chemin qui montre qu'il est possible en fait de se déraciner de ces espaces et de créer une forme de souveraineté qui vous permette de survivre aux différentes violences que, évidemment, on va en retour vous apporter. Donc, je regrette un peu d'avoir Attal dans mon nom, de le voir s'inscrire en moi de cette façon. J'ai déjà eu à le subir pendant de trop nombreuses années, donc je pensais que j'arriverais d'une certaine façon à m'en débarrasser, mais soit, c'est mon parcours, donc il faudra l'accepter. Merci pour votre réponse. Alors, un mot avant de commencer notre échange. Monsieur Branco, vous n'êtes plutôt invité sur les médias traditionnels en raison de vos prises de position clivantes, vos engagements. Et c'est précisément pour cela que nous avons décidé de vous inviter ce soir. Les Mardis de l'ESSEC pensent que le débat ne doit pas mettre de côté la pensée subversive, sinon celui-ci s'en retrouverait appauvri. Voilà. Donc nous allons aborder nombreux termes très importants. Nous allons parler des élites, de l'oligarchie, de démocratie, de peuple. Mais avant, on va parler de vous, on va revenir sur votre parcours. Juan Branco, vous avez une position assez particulière dans la société française. Vous avez grandi dans un milieu privilégié, dans le 6e arrondissement. Et suite à vos différentes rencontres, vous finissez par vous détacher de ce que vous considérez comme une classe sociale élitiste. Vous choisissez ensuite de concentrer votre combat sur la dénonciation et des stratagèmes et des arrangements mis en place par une minorité de la population. Avant de vous en éloigner, vous avez quand même été approché par les grandes banques et les autres cabinets d'avocats qui voulaient vous recruter au sein de leurs équipes. Alors, quelles raisons se cachent derrière ce refus, voire même ce rejet de vouloir faire partie de ces hautes sphères ? Et quelle place pensez-vous occuper dans la société ? Est-ce que c'est celle d'intellectuels, de lanceurs d'alerte, de polémistes ou même de révolutionnaires ? Ça me permet de revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été présentés lors de l'introduction. Lorsque vous faites le choix de la traverse, c'est-à-dire que vous décidez de sortir de ce qui est attendu de vous, il va y avoir une réaction souvent épidermique des personnes qui vous ressemblent et de celles qui ont décidé, elles, de s'intégrer au système existant, qui consiste à trouver des raisons psychologisantes ou autres qui vont tenter de justifier du fait qu'eux se maintiennent dans ces structures et qu'au contraire, vous seriez, en fait, du fait d'un certain nombre de défauts ou de travers, incapable de les suivre ou alors choisissant des penchants mauvais qui vous amèneraient dans ces directions-là. Ça explique des attaques extraordinairement violentes que j'ai eu à subir à partir de 2019 principalement et de la publication de Crépuscule, même si déjà dans notre engagement avec Wikileaks auparavant, nous avions eu à connaître les affres de l'appareil d'État états-unien et en particulier de la CIA qui avait fait de nous sa cible privilégiée de façon explicite et assumée. Hein. C'est des déclarations publiques de Mike Pompeo, qui était à l'époque le directeur de la CIA, donc, qui avait fait une conférence de presse sur nous en indiquant que nous étions une organisation hostile dont l'organisation avait fait sa priorité au niveau d'Al-Qaïda. Et donc à partir de là, avec des moyens très importants qui avaient été développés pour essayer de nous perturber et éventuellement de nous détruire socialement et politiquement avant de le faire physiquement.
ça a amené évidemment à l'arrestation de Julian Assange, ça a amené aussi à la destruction d'un certain nombre d'individus qui étaient avec nous au sein de cette organisation. Et c'est un chemin que j'ai pris un peu par naïveté, ce qui est souvent ce qui m'arrive, c'est-à-dire que j'étais à Yale, où je finissais mon doctorat, que j'avais commencé à l'école normale, et on s'est retrouvé dans une situation où on m'a proposé de rencontrer Julian Assange entre un déjeuner avec Xavier Niel et la directrice du Monde et un certain nombre d'autres événements plus ou moins mondains qui étaient censés, quand j'avais 24 ou 25 ans, je ne sais plus, me préparer à cette intégration, à cette société. Et là, j'ai rencontré à Londres une des personnes les plus intelligentes que j'ai eu l'opportunité en fait, de croiser. Et j'ai fait une crise de claustrophobie au sein de cette ambassade parce que c'était particulièrement angoissant. Il était à l'époque enfermé. Il a passé près de 9 ans dans ce rez-de-chaussée où il avait droit à 20 mètres carrés sur un appartement qui devait faire 200 mètres carrés au total, qui était l'ambassade d'Équateur, donc juste à côté du Harrods à Londres. Et on avait dû sortir à mi-chemin parce qu'il avait un cours de boxe qui était prévu depuis de longues dates. Et donc on s'était retrouvé dans la rue, dans un entre-deux, avec une crise d'angoisse extraordinaire où l'on s'en rendait compte en fait, du niveau d'oppression auquel il était soumis, après qu'il nous ait montré tous les dispositifs de surveillance qui avaient été mis en place autour de lui, y compris des dispositifs d'écoute qui passaient par la captation des vibrations que nos paroles produisaient sur les fenêtres. Donc une plongée assez soudaine dans la dystopie, avec dès mon retour à New Haven, donc à Yale, dans la foulée, un contrôle aux frontières assez serré aux États-Unis. Donc là aussi, une sorte d'angoisse particulière qui consiste à comprendre qu'en un seul rendez-vous avec cet individu, vous étiez déjà identifié, votre identité trouvée, et un dispositif mis en place pour vous suivre à une vitesse qui était assez surprenante, et alors qu'il n'y avait pas forcément de raison qu'il justifiait. Mais bon, à l'époque, c'était plutôt l'aventure et l'amusement. Vous voyez, on minait des bitcoins, on était en 2014 sur les ordinateurs de Yale, qui est le principal lieu de recrutement de la CIA, donc il y avait quelque chose d'assez paradoxal au fait d'avoir cette dichotomie, mais on n'en sentait pas encore les conséquences qui, elles, sont venues plus tard, et notamment à partir de 2017, et après l'élection de Trump, lorsque ce cher Julian Assange, plutôt que d'essayer d'en profiter pour sortir de la situation dans laquelle il était, a décidé de révéler de nouveaux documents qui touchaient la CIA, ce qui a déclenché la fureur donc, de Mike Pompeo et la mise en œuvre de tout un dispositif qui visait à soit l'assassiner, soit le kidnapper, soit provoquer son arrestation, comme ça a été le cas, avec des opérations qui étaient menées à la fois en Équateur, en France, en Espagne et à Londres, en parallèle pour essayer de nous déstabiliser. Donc en fait, il n'y a pas eu véritablement de choix, si ce n'est celui, à un moment donné, de ne pas avoir peur face à cette figure qui, à l'époque, était très dépréciée, accusée de viol, accusée, poursuivie par la principale puissance états-unienne, et simplement aller chercher l'intelligence de la personne. Quand j'avais rencontré Xavier Niel lors de ce déjeuner, j'avais été plutôt frappé par l'absence d'intérêt qu'il suscitait en moi, c'est-à-dire un vrai rapport quasi compulsif à l'argent, un véritable rapport au mensonge aussi, avec des liens déjà qui commençaient à se tisser avec Emmanuel Macron, on était en janvier 2014, et la volonté de promouvoir sa candidature. Macron, que j'avais déjà identifié depuis quelques années, depuis 2012, et que je considérais comme un être assez dénué d'intérêt, ce qui, tout cela générait en fait quelque part une absence de désir, d'attrait pour ces espaces-là, qui contrastait avec les aventures folles que vivaient ces individus et qui correspondaient plus à mon état d'esprit. Pour finir, je faisais mon doctorat, je le faisais sur les violences de masse parce que j'avais fait un passage à la Cour pénale internationale quelques années auparavant. Et donc j'étais parti au Centrafrique pendant la guerre civile en décembre 2013. On avait fait une intervention militaire là-bas. Aujourd'hui, la Centrafrique est devenue un terrain de jeu de la Russie, complètement capté, mais à l'époque, c'était un territoire qui était captif, au contraire, des autorités françaises. Et pour éviter en fait, un changement de régime, nous avions envoyé une opération militaire assez importante en invoquant les risques de génocide, ce qui n'était pas du tout le cas. Et moi, j'avais un peu les grilles de lecture et les outils que m'avait donné ma formation universitaire pour le comprendre. Donc j'étais allé sur le terrain et j'avais passé quelques semaines dans un terrain de guerre urbaine, en faisant des reportages d'ailleurs pour un certain nombre de journaux en parallèle. Et à mon retour, donc je rencontrais Xavier Niel et compagnie, puis Julian Assange, et Assange m'avait pendant 2 heures interrogé sur le sujet, avant même de dire un mot sur lui. Or, Assange était quelqu'un qui était décrit à l'époque comme étant d'un ego hypertrophié, insupportable, complètement incapable de s'intéresser à l'autre. Et j'avais été très très marqué par cette distorsion entre la présentation publique
est-ce que l'on disait de cette personne, est-ce qu'il reflétait dans le réel et dans une forme d'intimité avec quelqu'un qu'il connaissait peu et qui revenait d'un espace qui n'était pas non plus central dans sa pensée. Et cet intérêt pour l'autre m'a beaucoup marqué et a fait enclencher en fait une réflexion qui après, combinée justement à ce que je découvrirais du fonctionnement oligarchique en France, m'amènerait à la publication de Crépuscule et ainsi de suite. Mais alors, on peut quand même s'interroger sur ce rôle que vous avez de dénonciateur, alors que vous dénoncez un système dont vous avez vous-même bénéficié. Qu'est-ce qui fait de vous la bonne personne pour le faire? Et surtout, n'est-il pas un peu tragique que le seul moyen que vous avez pour, le seul moyen qu'il y ait pour dénoncer ce système, c'est d'en avoir fait partie, d'avoir fréquenté cette élite? J'ai été très protégé par ce système, très loué. Vous faisiez référence à un reportage qui me présentait comme l'homme de l'ombre de Julian Assange. Je vous incite à le voir. C'était Canal+ qui avait fait en 2016 un portrait de 15 minutes de moi dans le supplément, une semaine après avoir fait celui de Macron dans une sorte de début. C'était la première fois que Macron avait une exposition de cet ordre dans l'espace public. Donc c'était une sorte d'émission qui cherchait à propulser en fait les nouvelles figures qui convenaient quelque part d'une façon ou d'une autre au système. Et je m'étais retrouvé d'ailleurs dans cette émission aux côtés de Mélenchon. C'est comme ça que j'ai rencontré. Et en fait, c'est assez intéressant de noter le contraste entre la quasi-adoration à laquelle on me soumettait à l'époque et le traitement qui s'en est suivi, c'est-à-dire la même personne est passée d'être quelqu'un d'admirable, extraordinaire, engagé pour des valeurs, à une forme de diable absolu qu'il faut détruire par toutes les façons, que ce soit complotiste, violeur, etc., enfin tout ce qu'on a pu raconter ces dernières années de façon successive pour essayer de me délégitimer. Et cela, en fait, la raison de cela, c'est encore une fois mon engagement auprès des Gilets jaunes qui est apparu pour le pouvoir en place comme un mouvement véritablement subversif et dangereux parce qu'il ne l'a jamais compris. Et ne le comprenant pas, il n'arrivait pas à trouver les clés pour l'éteindre et pour l'écraser, ce qui explique la violence avec laquelle ce mouvement a été réprimé. Et la publication dans le même temps de Crépuscule, dans laquelle je fais notamment ce portrait de Gabriel Attal qui me vaut à chaque fois d'être rappelé à lui depuis, où je décrivais comment cet homme, de la même façon qu'Emmanuel Macron, avait été quelque part fabriqué pour devenir en fait des personnalités qui serviraient un certain nombre d'intérêts. C'est ce outing surtout qui a surtout choqué, le fait de révéler... Non, assez peu, parce que ce que je révélais, c'était la relation avec Stéphane Séjourné, donc qui était conseiller politique d'Emmanuel Macron, qui a permis à Gabriel d'avoir sa circonscription, puisque c'est lui qui distribuait les circonscriptions à l'époque. Et donc j'expliquais quelque chose qui était complètement masqué dans l'espace médiatique. Masqué pourquoi? Parce que ça avait vocation à susciter de la fascination. Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui est soutenu et qui a été largement construit grâce à Mimi Marchand, qui est une personne de grande valeur intellectuelle et morale, qui a été arrêtée avec 500 kg de shit dans une camionnette, qui a été posée dans le bureau de la présidence de la République en faisant lever de la victoire, et qui en fait est très liée à des réseaux de proxénétisme, de trafic de drogue, mais surtout de trafic de l'information. Et en fait, ces milieux-là sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'elle met en valeur ou détruit les individus par leur intimité, à travers ces liens dans la presse people, Gala, Voici, Paris Match, ainsi de suite, qui eux-mêmes appartiennent à un certain nombre d'oligarques qui s'en servent pour promouvoir ou au contraire déstabiliser leurs adversaires politiques ou au contraire ceux qui pourraient les soutenir. Alors, Gabriel, en 2018, à l'été 2018, commence à avoir, après avoir donc réussi à devenir conseiller politique de Marisol Touraine en se rapprochant de sa fille, puis obtenir sa circonscription macroniste en sortant avec Stéphane Séjourné, aujourd'hui avec les porte-parole du gouvernement, tout ça n'est pas sans hasard à mon avis, commence en fait une campagne de promotion politique via Mimi Marchand dans la presse people et en particulier dans Paris Match. Vous avez peut-être vu cette photo merveilleuse de lui avec une coupe de champagne posant sur les quais en chemise blanche, très, très heureux de lui-même, et va commencer à avoir droit à une offensive médiatique qui va lui permettre de monter et progresser jusqu'à se faire nommer au gouvernement. Et donc moi, Crépuscule, qui est un livre non pas sur les individus, mais sur comment en fait fonctionnent et comment sont poreux les liens d'intérêt oligarchiques, ces fortunes qui ont été faites grâce à l'État, que ce soit celle de Xavier Niel ou de quelques autres, c'est-à-dire l'accès à des décisions, par exemple dans les télécoms, décisions qui leur sont favorables parce qu'en retour, ils ont une influence importante du fait de leur accès aux médias et de leur contrôle sur les médias qui leur permettent justement de favoriser tel ou tel homme politique.
prend en exemple cet homme. À l'époque, on m'avait dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous intéressez à cette personne qui n'est rien? Et j'aurais dit, non, faites attention. Au contraire, là, on est en train d'assister, sauf qu'on a le privilège d'assister plutôt à la fabrication d'une figure similaire à celle d'Emmanuel Macron. Et ce que j'essaie de faire à travers lui, c'est de vous donner des clés d'explication de comment se fabriquent ces figures et comment est-ce qu'elles émergent pour que nous, en tant que citoyens, on puisse à partir de là se déterminer de façon plus claire qu'on ne le faisait jusqu'ici. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a une surexposition à partir de 2016 jusqu'à son élection. Pour autant, tous les médias ne l'en censaient pas. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Obs, qui est une propriété quand même de Xavier Niel, qui expliquait que Emmanuel Macron était une bulle médiatique qui allait exploser, qui était un piège pour le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que ces médias, ils avaient quand même une relative liberté vis-à-vis de leurs propriétaires, non ? L'illusion de la liberté, lorsque vous êtes l'employé d'un oligarque, elle est formidable, en fait. C'est-à-dire que dès le moment que vous êtes l'employé de quelqu'un, vous n'avez pas de liberté par rapport à cette personne. C'est complètement illusoire, voire ridicule de la part de ces journalistes. Liberté relative. Prétendre... Non, il n'y a juste pas de liberté. Vous êtes choisi, vous êtes recruté, parce que, en fait, vous correspondez à un certain nombre de critères qui vont faire qu'en général, vous n'allez pas avoir... une pensée suffisamment critique ou développée pour de vous-même l'exercer et à partir de là devenir un grain de sable qui devrait être la fonction du journaliste. Ensuite, ça c'est le journaliste de base, ensuite il va y avoir des mécanismes de désignation aux responsabilités de ces journaux, des rédactions en chef, chef de service, direction de la rédaction et ainsi de suite, qui vont avoir pour fonction de filtrer justement le choix des recrutements, nominations, promotions et ainsi de suite, tout cela sous l'égide des directeurs généraux qui, eux, sont ceux qui sont en lien direct avec les propriétaires de médias, avec ces oligarques, Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, etc., de façon à ce qu'eux puissent donner des instructions aux rédactions sans que le journaliste qui va être l'exécutant final ne soit même au courant qu'il y a eu ce système qui s'est mis en place et qu'il y a eu cette orientation qui a été donnée pour servir un certain nombre d'intérêts. Donc, vous voyez, c'est sûr que quand vous parlez avec un journaliste de base d'une rédaction parisienne, il va vous dire « Ah oui, mais moi, Xavier Niel m'a jamais parlé. » Bah oui, Coco, t'as jamais parlé parce que t'es rien pour lui, t'es juste un instrument parmi des centaines d'autres. Il va pas s'abaisser et prendre le risque de te dire directement quoi écrire ou ne pas écrire. Mais un, tu as été choisi pour servir ses intérêts et deux, tu as toute une chefferie qui va s'assurer que tu vas suivre une bonne direction avec en effet une forme de flottement, parce qu'il faut laisser ce flottement, sinon en fait la vie devient insupportable. Il y a une forme d'aphasie qui va se créer, parce que il faut quand même que vous ayez, en effet, c'est pas une liberté relative, c'est l'illusion d'une liberté. Il faut que vous ayez l'impression que vous avez une forme d'autonomie dans l'exercice de travail, mais c'est ce qu'on vous apprend en management aussi avec vos employés, c'est leur donner la possibilité d'avoir une forme de flottement, d'autonomie qui va lui permettre de ressentir une forme de stimulation et de récompense dans les actions qui va mener à bien. Vous, tant que ça ne va pas contre trop directement vos intérêts, ça vous convient. Tant que la machine d'ensemble continue à aller dans la bonne direction, c'est pas très grave qu'il y ait tel ou tel article à tel ou tel moment qui vont éventuellement, potentiellement, quelque peu vous gêner. Ça, c'est des discussions que j'ai eues notamment avec Ariane Chemin, qui était au moment où elle avait révélé, la journaliste du Monde qui avait révélé l'affaire Benalla, qui essayait de nous convaincre que le monde était un paradis sur Terre en m'expliquant, mais regardez, j'ai pu sortir l'affaire Benalla. Et je disais, mais enfin. C'est mignon, mais je veux dire, la capacité d'impact structurel de cette révélation sur le cours du politique et sur les décisions qui comptent pour ces individus, qui touchent aux répartitions de ressources, qui ne touchent pas à la gestion de la carrière d'un individu à un moment ou à un autre, elle est nulle. Donc à partir de là, vous pouvez vous satisfaire de cela, mais en fait, quelque part, vous allez continuer à... Et aujourd'hui, je pense qu'Ariane Chemin ne se fait plus du tout d'illusions sur ce contrôle qui est mis en œuvre sur le Monde, ne serait-ce que parce qu'entre-temps, Xavier Niel a nommé son fils de 21 ans au conseil d'administration de la Fondation pour l'indépendance de la presse, qu'il a créé pour absorber le Monde, pour faire mine que le Monde était indépendant. Il alors a racheté récemment les parts du milliardaire de Kretensky, ouais. alors que 4 des 6 administrateurs de cette Fondation pour l'indépendance de la presse sont nommés par Xavier Niel directement. Bon, après, considérer que la révélation de l'affaire Benalla est un luxe, ça peut sembler quand même disproportionné. Est-ce que ça avait branlé un gouvernement entier ? Ça, pardon ? Ça avait quand même ébranlé le gouvernement, l'affaire Benalla ? Moi, je vois pas d'ébranlement structurel. Encore une fois, il faut que vous sortiez de... Il faut que vous sortiez de l'épiphénomène. C'est-à-dire qu'il y a des... La vie politique est scandée par un certain nombre de scandales, justement, qui vont distraire, qui vont créer de l'adhésion ou au contraire du rejet, et qui vont quelque part nous entretenir dans un rapport de suggestion et de fascination pour le système qui nous les présente, qui les exploite. Le grand risque, quand vous souhaitez avoir un impact politique réel, c'est de s'appuyer sur le fait divers. J'y pense aussi
en ce qui concerne la gauche à travers l'affaire Nahel, par exemple, et les émeutes de banlieue de juillet dernier. Le piège qui a été tendu était évident. Dès le moment que vous avez une situation où il va y avoir une fixation affective très profonde, c'est-à-dire, il y a, en l'occurrence, point de départ du récit, un adolescent qui meurt avec des images qui semblent accablantes et parfaitement impossibles à contester, et à partir de là, tout un discours qui se construit sur les violences policières, et derrière, en fait, tout un mouvement social qui va en être. D'accord. Vous avez le point de bascule pour moi de cette affaire, c'est Kylian Mbappé qui parle de petit ange parti trop tôt. Dès le moment que vous construisez ça, c'est fini. Parce qu'en fait, évidemment, l'adversaire va s'engouffrer dans la brèche, va aller chercher le petit ange parti trop tôt, voir s'il n'y a pas des failles. Et évidemment, tout être humain a des failles, en particulier lorsqu'ils ont des parcours qui les amènent de classes sociales qui sont dominées. Et donc, à partir de là, on va constamment, ou à partir d'un fait divers qui, en effet, semblait ébranler un certain camp, c'est l'autre camp qui se retrouve affaissé. Et, in fine, quoi si ce n'est une distraction qui, à quelques semaines plus tard, produit des peines de prison pour un certain nombre d'enfants de jeunes adolescents et adultes qui ont tenté d'en profiter pour des raisons qui leur appartiennent, soit pour en effet essayer de purger un certain nombre de souffrances, soit pour en profiter positivement. Et finalement, un discours d'ordre qui s'est encore plus durci et renforcé, alors même qu'Emmanuel Macron, au départ, donnait l'impression que ça allait être un moment d'un virage, c'est-à-dire de compréhension de ce qui s'était passé, de soutien, ainsi de suite. Et un feuilleton qui va attendre que l'autre lui succède. En l'occurrence, c'était l'abaya, avec à chaque fois toujours cette dialectique qui va faire que des couches de la société française populaire vont s'opposer les unes aux autres sans qu'il y ait d'effectivité politique et sans qu'il n'y ait autre chose qu'une course de petits chevaux entre dirigeants politiques qui vont tenter d'instrumentaliser dans un sens ou dans l'autre ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il y a des changements structurels qui en naissent ? Absolument pas. Donc, vas-y. Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'en dénonçant ce genre de stratagème, comme vous l'avez fait notamment dans Crépuscule au sujet d'Emmanuel Macron, est-ce que vous ne pensez pas que les tendances devraient s'inverser ? Comment est-ce que vous expliquez qu'Emmanuel Macron ait été réélu derrière ? Alors là, on pourrait faire une conférence de 2 heures sur ce qui s'est passé et les facteurs qui ont joué en 2022. Moi, je pense qu'un des facteurs les plus importants, à un moment où il était moribond, c'est tout simplement l'instrumentalisation de la guerre en Ukraine, qui était particulièrement indécente, avec, vous vous souvenez, les allers-retours à Moscou, qui était assez pitoyable et qui, à mon avis, ont beaucoup affaibli la puissance française, mais une instrumentalisation de la fonction qui lui permettait d'accaparer l'espace médiatique et l'attention médiatique, avec encore le soutien d'un grand nombre d'oligarques. Il faut se rappeler que Marc-Olivier Fogiel, qui est quand même pas une lumière, qui est quand même pas un homme de direction, a été nommé à la tête de BFM TV parce que Brigitte Macron l'avait exigé après les Gilets jaunes, parce qu'elle considérait que BFM TV a été trop favorable aux Gilets jaunes. C'est dire quand même le niveau de distorsion dans lequel ces individus vivent. Et depuis qu'il est là, il y a en fait un travail de sape qui est mis en œuvre en essayant d'instrumentaliser un certain nombre de personnes en recherche de visibilité qui s'y rendent pour essayer de cautionner tout cela, mais qui participent en fait de ce renforcement artificiel de la figure d'Emmanuel Macron. Je vous parle d'un petit exemple, en fait je pourrais vous faire 2 heures, parce qu'on pourrait aussi parler de la candidature de Zemmour pendant cette période, de comment elle a été instrumentalisée par Bolloré dans son rapport de force avec l'Élysée pour essayer de s'assurer que Emmanuel Macron répondrait à ses desiderata, notamment sur la vente de ses concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, et comment du coup CNews a été utilisé pour promouvoir de façon massive Zemmour pendant des mois jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, et tout d'un coup il s'est retrouvé lâché et la bulle s'est effondré, avec du coup une fracturation relative du camp de l'extrême droite. Il y a toute une série en fait de mécanismes comme ça qui ont été mis en œuvre, mais qui appartiennent très largement justement à des mécanismes oligarchiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que je qualifie d'oligarchique ? C'est-à-dire le contrôle de la visibilité, parce qu'on est dans un système électoral représentatif, c'est-à-dire que l'accès aux ressources de l'État passe par l'élection d'un certain nombre de représentants, qu'il faut donc contrôler au maximum l'orientation de ces élections, et que la façon de le faire, c'est d'avoir un contrôle sur la visibilité, parce que ce que vous savez va déterminer ce que vous pensez et donc les choix que vous allez faire ou non politiquement parlant. Donc si vous avez une prise sur ce qui vous arrive du réel, si comme vos camarades le faisaient, vous pensez à moi à travers les fausses polémiques qui ont été mises en œuvre sur Attal, sur les questions de CV et ainsi de suite, c'est-à-dire à travers ce que la presse
qui est aux mains de mon adversaire raconte, eh bien nécessairement ça va orienter votre perspective, du moins jusqu'au moment où vous aurez la possibilité de vous confronter à la personne ou au propos de la personne en réalité, ce qui arrive très rarement parce qu'on est dans une société médiatisée où en fait tout traverse à travers des flux. Et par exemple, c'était rigolo que vous ayez parlé du déguisement de pêcheur sur le Sénégal. C'est une information et des photographies qui ont été fuitées par le gouvernement sénégalais pour essayer de faire contre-feu en fait, à une indignation très importante qui consistait, parce que le vrai sujet c'est quoi? C'est qu'un avocat qui est venu au Sénégal défendre le principal opposant au pouvoir, qui venait d'être incarcéré pour vol de téléphone portable, ce qui est absolument ridicule, 6 heures avant de se retrouver accusé pour des faits de terrorisme, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il encourait la perpétuité. Donc cet avocat qui s'est rendu à Dakar pour pouvoir défendre son client, exercer ce droit à la défense, eh bien il s'est retrouvé traqué dans tout le pays, perquisition y compris dans des lieux saints, au domicile de son client, a dû partir à travers une pirogue en effet jusqu'en Mauritanie où il a été séquestré par des hommes cagoulés, ramené de force en dehors de tout cadre juridique au Sénégal avant que enfin liberté soit acquise après avoir passé quelques jours dans une prison où 3000 personnes s'entassaient pour d'anciennes écuries qui sont prévues pour 600 places. Et où j'ai vu des corps torturés, où il y a des personnes qui depuis des mois dorment sans pouvoir s'allonger, dos à dos, parce qu'il n'y a pas de place dans ces lieux-là. Donc c'est ça la réalité, sauf qu'en fait ce qui va traverser, la fabrique du consentement et la fabrique de la distraction va vous amener à vous concentrer sur non pas le déguisement de pêcheur, mais tout simplement l'imperméable que j'avais dû porter, parce qu'en effet pour partir de ce pays qui est devenu une terrifiante prison, il a fallu prendre une pirogue et risquer ma vie, et pendant 20 heures à travers l'Atlantique dans les vagues continuer à naviguer jusqu'à tenter de trouver un port de sortie. Donc encore une fois, le débat public, la façon dont vous l'infiltrez d'éléments X ou Y va déterminer sa nature, sa direction, et va vous amener soit à vous intéresser à des questions de fond et à des enjeux qui touchent aux intérêts de populations entières et aux vôtres en particulier, ou tout simplement devenir des instruments inconscients de stratagèmes de manipulation qui, in fine, vont vous amener à vous satisfaire de l'existant ou à vous insatisfaire, mais à vous sentir impuissant parce que dans l'incapacité de le contester et de lutter contre ce dernier. Alors vous prenez le prisme des médias, mais tout de même, justement, cette logique de médiatisation d'Emmanuel Macron, elle a été mise à nu plusieurs fois. Vous l'avez mise à nu, et la majorité des Français étaient quand même au courant de ce que représentait justement alors ce que vous appelez l'oligarchie, et pourtant il a été réélu. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une forme de cynisme généralisé dans la population française vis-à-vis des scandales, vis-à-vis des faits, corruption ou pas corruption? Parce que, par exemple, si on reprend l'affaire Fillon, en 2017, il avait quand même eu 20% malgré les révélations. Il y a un désengagement massif de la population française quand même par rapport à la classe politique. Je pense qu'on en est tous conscients. Moi, j'ai quand même plaidé devant le Conseil constitutionnel. On a obtenu l'annulation de l'élection sur d'autres fondements, mais pour l'annulation d'élections législatives où il y avait eu 85% d'abstention. C'est-à-dire, quel est le sens d'une élection où vous vous retrouvez avec 15% du corps électoral qui s'engage dans celle-ci? Il est nul, il est absolument nul. Donc, en fait, il y a un désenchantement très fort qui est quand même lié aussi à cet appauvrissement généralisé du débat public, à cette captation de ressources toujours croissantes de la part d'une classe dominante qui ne voit le politique qu'à travers des jeux de pouvoir. Et je trouve qu'Emmanuel Macron a eu cette qualité de dénuder ce qui jusqu'alors s'imposait à nous comme une fiction, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des oppositions idéologiques plus ou moins de façade entre la droite et la gauche qui suscitaient l'attrait et une forme de croyance dans l'existence du système et donc la nécessité pour nous de nous y engager. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un désabus assez important de la part de la population à l'égard de ces dispositifs et de ces fonctionnements, que je trouve relativement favorable, parce que ça nous incite à la réflexion et une forme de prise de distance par rapport à tous ces mécanismes. Et ensuite, à partir de là, une reconfiguration que j'espère advenir. Qu'est-ce qui remplace les médias traditionnels mis à part les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on est dans une situation où la population française a quand même pris des coups, au sens littéral du terme, assez violents ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a un mouvement des Gilets jaunes qui a été réprimé avec une violence extraordinaire, avec un nombre d'ébordements, de mutilations, d'arrestations arbitraires qui ont été très difficiles à vivre et qui ont surtout permis au pouvoir de cartographier les principaux pôles d'opposition sur le territoire. J'ai défendu par exemple la femme qui avait traité d'ordure Emmanuel Macron sur Facebook, un post Facebook, et qui s'est retrouvée
arrêté à 6 heures du matin, placé en garde à vue et traîné devant les tribunaux pour ce fait. Sa phrase était « L'ordure va nous parler demain matin, demain après-midi à 14 heures à la télévision ». Cette personne-là n'a pas été arrêtée seulement du fait d'un excès de zèle de la part du pouvoir, comme cela lui arrive régulièrement, mais parce qu'elle avait été identifiée comme l'une des principales figures d'opposition au moment des Gilets jaunes. Et le procureur l'a lui-même admis dans un document qu'il nous a transmis dans la perspective de l'audience. Elle a été arrêtée dans le cadre du mouvement de manifestations contre la réforme des retraites qui commençait à naître. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir a identifié les têtes de pont de formes de contestation à la Macronie qui ne soient pas institutionnalisées, qui ne passent pas par les partis, et en amont, préventivement, les attaques, les harcèles, et met à bien des procédures bâillons de cet ordre-là pour essayer de s'assurer qu'ils ne vont pas pouvoir réunir des formes de contestation qui mettraient en danger l'existant. Parce qu'il faut quand même se rappeler que ce pouvoir est extraordinairement fragile et que s'il a une capacité à tenir la capitale et les grandes villes du fait de l'intensité de mobilisation des forces de l'ordre qu'il peut mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué dès qu'on sort un peu et que l'on va dans les villes secondaires. Et ça a été d'ailleurs une des grandes révélations des Gilets jaunes. Donc la violente répression en fait, qui est mise en œuvre vis-à-vis de toute une série de mouvements sociaux crée une forme de désert démocratique qui lui-même alimente la déshérence et qui permet au pouvoir de tenir, malgré l'absence de participation aux élections, malgré l'absence d'excitation que suscitent ces décisions. Moi, je trouve ça très significatif et intéressant, pour revenir sur ce cher Gabriel Attal, que son intronisation comme ministre de l'Éducation nationale... Il n'a jamais été élu. Soit passé... Non, c'est pas ça. Il est toujours allé dans le privé. Mais qu'il soit passé par l'affaire de la Baïa. C'est-à-dire qu'on est, on soit obligé de mobiliser, encore une fois, des questions de faits divers et qui sont en fait en pleine surface par rapport aux enjeux énormes qu'il y a aujourd'hui sur les questions d'éducation, de gestion du personnel enseignant et ainsi de suite, mais même aussi de fond de l'enseignement qui est proposé aujourd'hui aux Français, de capacité à créer de l'autorité, ainsi de suite. On en soit obligé de passer par une artificialisation du débat public à travers des polémiques stériles comme celle-ci pour s'introduire et se faire reconnaître et créer de l'adhésion chez les quelques personnes qui restent, et elles sont encore nombreuses, qui restent sans distance par rapport au système actuel. Et donc générer du coup un mouvement de fond dans les sondages qui va vous permettre de vous placer vos pions et vous améliorer votre position dans la perspective des élections suivantes avec peut-être l'hypothèse d'une élection. Mais aujourd'hui, vous voyez, ces mécanismes-là, ils touchent que très rarement la population. Ils touchent une part toujours plus restreinte, celle qui en fait se laisse avoir par ces jeux de dupes que la position alimente, parce que tout de suite elle rue dans les brancards et elle rentre en fait dans une inanité du débat public. Le reste de la population française regarde ça avec distance, avec un peu de mépris, un mépris croissant je pense, et une forme de désolation qui l'amène à se distancer. Est-ce que ça génère quelque chose par ailleurs? Peut-être pas, peut-être qu'il y a une forme de désenchantement qui aussi est alimentée par la position de confort qu'ont aujourd'hui les Français au sein de la mondialisation et le contraste qu'ils peuvent ressentir par rapport à d'autres pays. Au Sénégal, vous avez des citoyens qui se sont sacrifiés, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à cette situation, des manifestants sur lesquels on tirait à balles réelles et qui ont quand même eu le courage d'avancer et qui ont quand même eu le courage de sortir dans la rue pour défendre leur candidat, leur droit à être représenté par quelqu'un en qui ils croyaient. Et il y a eu 60 morts dans les répressions des manifestations depuis mars 2021 et pourtant la mobilisation a tenu, s'est renouvelée afin d'obtenir que leurs droits démocratiques soient respectés. Qu'est-ce qu'il explique? Plusieurs facteurs, notamment le fait que ce soit une population jeune, à 70% de moins de 30 ans, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, qui ressemble de plus en plus à une gérontocratie, et également, évidemment, la pauvreté, qui fait que les conditions d'existence sont un enjeu, justement, existentiel, c'est-à-dire qui va bien au-delà de ce que l'on peut connaître en France, avec parfois le choix qui est laissé entre une mort à petit feu ou prendre le risque de partir en pirogue pour aller vers les îles Canaries. Quand je suis revenu à Paris, après ma déportation depuis le Sénégal, le lendemain, on a découvert une pirogue au large du Cap-Vert, qui est quand même la destination la plus proche avec la Mauritanie du Sénégal, par hasard, où il y avait 30 personnes.
cette pirogue, on l'a découverte donc autour du 10 août. Et on a compris quelques heures plus tard, en interrogeant les personnes qui étaient, qu'elle avait pris la mer le 10 juillet. Ça faisait un mois que cette pirogue en fait, était laissée à l'abandon, avec 60 personnes qui étaient mortes dans celle-ci, donc c'est-à-dire qu'ils étaient 90 au départ, et un à un, ils étaient morts de faim, de soif, sur la pirogue, avaient dû être jetés par les survivants, jusqu'à ce qu'on retrouve les 30 derniers. Ces personnes prennent des risques au quotidien parce que la situation sur leur territoire est tellement catastrophique, à la fois en termes politiques, mais évidemment économiques, que les pillages sont tellement violents qu'ils se retrouvent dans cette prise de risque qui pourrait leur sembler favorable. Donc évidemment, ça crée un rapport aux politiques qui est légèrement différent d'une autre, et pour reprendre là aussi les termes de l'introduction, peut-être un rapport moins de salon par rapport à l'engagement. Et c'est quelque chose que je suis toujours allé chercher avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que ma défense des Gilets jaunes, elle consistait à me retrouver et à appuyer, à protéger dans la mesure où je pouvais des personnes qui, quelque part, jouaient leur peau, parce que la société française s'est tellement désagrégée et devenue tellement violente pour une certaine classe, pour certaines classes populaires, les plus paupérisées, qui deviennent une forme de lumpen prolétariat, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à l'emploi industriel, ainsi de suite, c'était un enjeu de survie psychique et sociale que de se réengager, de prendre ce risque de lutte qui les a amenés à se rendre régulièrement sur les ronds-points et sur les champs, non seulement pour remettre en question le gouvernement actuel, mais tout simplement pour sortir de l'anomie et de l'isolement qu'ils subissaient. Et donc je pense que faire rempart et utiliser le crédit que j'avais encore à l'époque en tant que jeune garnement d'élite, un peu loué par tout le monde, pour essayer de les protéger face au mépris et à la violence sociale extraordinaire qui s'était immédiatement mise en place pour les dévaloriser, les critiquer, rire de leur façon de parler, ainsi de suite, m'apparaissait essentiel. L'augmentation du SMIC qui avait été décidée, c'était juste un cadeau? C'était une nécessité. C'était une nécessité de survie pour le régime. Il fallait lâcher quelque chose. Ça a été une victoire de la part de ce mouvement qu'aucun syndicat n'a réussi à reproduire depuis sous la Macronie. Mais c'était fondamentalement insuffisant par rapport aux besoins qui étaient exprimés, qui encore une fois ne sont pas seulement matériels, mais qui ont trait aussi à la façon dont cette société est organisée et dont on a laissé sans fonction une partie de nos concitoyens. Moi, je suis convaincu que les Gilets jaunes, c'est avant tout une question de fonction. C'est-à-dire tout d'un coup, on ne sait pas quel est notre rôle au sein de la société. On ne nous en laisse plus. Et à partir de là, la capacité à se lier à l'autre, la capacité à se construire humainement, elle est réduite. Donc, avoir un discours purement social, relatif au salaire ou aux allocations et ainsi de suite, ce serait une grande erreur par rapport à ce qu'essayait de nous dire ce mouvement qui, par ailleurs, si on lit dans une perspective un peu plus détachée de l'affect et des intentions des acteurs, est aussi, à mon avis, le premier grand épisode de la lutte majeure qui va se mettre en place en relation avec la transition énergétique pour la répartition des ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir un engagement, c'est ce que je décris dans Coup d'État, de plus en plus violent entre les classes dominantes et les classes exploitées pour se répartir les efforts et les ressources qui proviendront de ce changement de modèle énergétique que l'on est en train d'essayer de mener à marche forcée avec des reconfigurations qui vont être extraordinairement violentes. Souvenez-vous, les Gilets jaunes, c'était en réaction à la taxe carburant qui avait été décidée par Édouard Philippe, non pas comme ça avait été dit pour financer la transition écologique, mais pour financer le CICE, qui était un cadeau fiscal qui avait été fait aux classes les plus favorisées de ce pays. Mais alors, quand vous parlez de tous ces mécanismes, ces stratagèmes qui sont mis en place par l'État, notamment que certains candidats aux élections présidentielles, comme Zemmour, vous en parliez tout à l'heure, ont été placés par les médias, placés dans l'opinion publique, ou que Macron a été pareil, mis en place par les milliardaires français, est-ce que vous ne pensez pas un peu décrédibiliser les Français et leur capacité à voter, leur capacité à choisir leur président de leur plein gré? Qu'est-ce que vous attendez de cette dénonciation? Et si c'est le changement du système actuel, alors quel système vous pouvez proposer pour donner le vrai pouvoir au peuple que vous évoquez? Je pense que l'étouffoir démocratique dans lequel on est pris, je pense que tout le monde en a conscience, y compris maintenant même la droite et les macronistes qui ont pleuré dans les chaumières parce que Vincent Bolloré avait décidé de racheter le JDD. Je trouvais ça fascinant, c'est-à-dire qu'on a des employés d'oligarques qui tout d'un coup se présentent en victime absolue du système existant du jour au lendemain parce qu'en fait il y a un autre oligarque qui a décidé de les racheter et que du coup ils vont devoir changer l'orientation des flèches qu'ils projetaient sur d'autres individus. La réalité est que ces gens étaient déjà soumis et le sont restés, et peut-être que ça leur plaît un peu moins parce que leur ethos
personnel ne correspond pas à celui qu'impose Bolloré, mais dans les faits, le mécanisme de fonctionnement est le même, de la même façon que quand Orsena critique Bolloré dans Le Monde sans dire un mot de Xavier Niel et de la gestion oligarchique qu'il a mis en place dans un certain nombre de médias, on est sur une tartufferie qui continue à tenter de donner crédit à des divergences idéologiques qui en fait ne font qu'alimenter des intérêts. Sur les réformes à mettre en place, elles sont très simples. En effet, la question médiatique, elle est fondamentale parce que c'est à partir de là qu'on pourra redonner du pouvoir et de décision aux citoyens sans en passer par des mécanismes de violence. Vous avez vu en Afrique, il y a de plus en plus de coups d'État, en Afrique de l'Ouest et centrale. Ça, c'est le fruit de la dévertuation des systèmes supposément démocratiques qui ont été mis en œuvre, qui en fait servaient à accaparer les ressources au profit d'une élite au sein de ces pays, qui était elle-même ce qu'on pourrait appeler en termes marxistes la classe comprador, mais en tout cas qui était elle-même asservie à des systèmes de domination qui très souvent raccrochaient aux anciennes métropoles et notamment à la France. Les populations africaines ont longtemps cru dans la possibilité démocratique, puis après elles se sont progressivement rendues compte que l'élection ne changeait rien si vous n'aviez pas maîtrise sur la fabrique des candidats, sur la fabrique d'opinion, ainsi de suite. Et elles ont fini par se sentir tellement désouverainisées qu'elles ont, pour une partie d'entre elles, accueilli avec bonheur des ruptures politiques qui ne passaient pas par des mécanismes démocratiques, mais par des coups d'État. Moi, j'attribue ces coups d'État à la militarisation de ces sociétés dans l'obsession occidentale sur les questions migratoires et terroristes, qui nous a amené à créer un déséquilibre en leur sein en faveur des branches militaires et policières et au détriment des branches civiles. Mais ça, c'est un autre débat. En France, on se retrouve dans une situation où le désenchantement qui est en train d'être enfanté, en effet, ouvre la porte progressivement à une sortie du jeu démocratique d'une partie des populations et du coup à une montée de la violence politique qui pourrait, en quelques années, exploser. La redémocratisation et la ressouverainisation de l'espace médiatique à travers la sortie du capital de ces entreprises, des oligarques, c'est-à-dire de toutes les personnes qui ont un intérêt direct ou indirect à avoir des relations avec l'État et avec nos gouvernants. La possibilité de réinjecter des fonds citoyens qui est parfaitement envisageable parce qu'il suffit de penser que les sommes extraordinaires qui sont attribuées en termes de subventions chaque année à ces médias par l'État soit utilisé pour créer justement des systèmes démocratiques de contrôle citoyen de ces nouvelles entreprises de presse suffirait largement à assurer leur pérennité. La reprise de contrôle, très important, sur les réseaux sociaux et le fonctionnement toujours plus algorithmisé de notre débat public qui consiste pour des entrepreneurs comme Elon Musk et Mark Zuckerberg et quelques autres, Elon Spiegel et ainsi de suite, à traiter le débat public et le débat politique comme en fait une source de revenus. C'est-à-dire la seule chose qui les intéresse, c'est de continuer à vous faire vous rendre sur ces plateformes, à continuer à y participer pour consommer les publicités qui y sont commercialisées et du coup en tirer des revenus. Donc ils vont évidemment amener par le fonctionnement algorithmique à intensifier les débats et les divisions qui peuvent être engendrées ou les formes d'affection et d'adhésion et vont complètement distordre notre capacité à agir et avoir un débat qui soit plus ou moins éclairé sur ces sujets. Toutes ces questions, elles sont fondamentales, elles sont primordiales au sens où elles doivent venir en amont des réflexions de fond sur la façon dont notre pays devrait être dirigé, organisé, sur les politiques économiques et fiscales qui devraient être adoptées, sur les questions migratoires et ainsi de suite. Dans un système comme l'actuel, la stratégie de Gabriel Attal sur la Baïa est la bonne. Il sait parfaitement qu'une intervention aux 20h de TF1 va lui permettre, dans la foulée, d'embraser l'espace social grâce à la participation de l'opposition, grâce à l'algorithmisation de ces débats, et ça va lui permettre, in fine, d'obtenir l'adhésion d'une majorité de la population, parce que le débat va être présenté d'une façon si binaire, avec une phobie si importante sur ces questions identitaires, qu'il va récolter la mise et passer pour quelqu'un de courageux. Donc il a parfaitement compris, il est très intelligent sur ces questions-là, et il faut qu'on résiste, nous, et vous avez la chance quand même, vous faites partie de cette infime minorité de notre société qui a eu le temps de penser. En fait, à qui on a offert le temps de réfléchir et de penser, de se former à travers des études qui sont particulièrement chères pour la société et qui vous permettent d'avoir un temps d'appropriation de notre histoire, de notre culture. C'est un temps ou un capital culturel ? C'est un capital culturel, mais ça, c'est seulement si vous cherchez à l'utiliser
pour servir vos intérêts. Réfléchissez en amont aux instruments que la société... Réfléchissez de façon plus structurelle, je vais vous faire le reproche d'être trop de gauche, d'avoir une perspective peut-être trop bourdieusienne, immédiatement bourdieusienne. C'est très important ce qu'a fait Bourdieu dans la déconstruction de la fascination que suscitent les concours, le mérite, des notions comme le mérite, et ainsi de suite. Mais ayez à l'esprit que toute société se structure pour dégager des moyens qui vont permettre à certaines parties de cette société de se spécialiser dans la production d'un certain nombre de faits sociaux, et en l'occurrence, pour des personnes comme vous, d'être en capacité d'avoir l'ampleur psychique, intellectuelle, et ainsi de suite, qui va permettre de tracer des orientations qui serviront l'intérêt général et qui serviront la société. Si en effet vous l'abordez comme une opportunité de gagner beaucoup d'argent à Mazars ou dans une banque d'affaires, vous allez devenir sujet du système. Pourquoi pas ? Et si un système est bien organisé, vous allez être inconsciemment poussé là où vous serez le plus efficace. Si un système est mal organisé, comme c'est le cas actuellement, vous allez tout simplement poussé à une forme d'anomie qui va alimenter et accélérer la chute de ce système au détriment de tous ceux qui auront fait des efforts, parce que, encore une fois, le confort dans lequel vous vivez, dans lequel vos parents vivaient, et ainsi de suite, est le fruit de sacrifices de millions de Français qui, sur des générations, ont de leur sang, de leur sueur, en fait, été exploités et acceptés ou tenter de résister à cette exploitation qu'apporte, mais en tout cas en générer ces ressources qui vous ont permis, in fine, aujourd'hui, de vous retrouver dans la position actuelle. Et vous êtes redevable à leur égard. En tout cas, moi, c'est une position que j'ai adoptée. Je n'ai jamais considéré que le parcours que j'avais eu, que ce soit à Sciences Po, à Normal, à Yale ou quoi que ce soit, me rendait supérieur à qui que ce soit, mais au contraire, me rendait redevable à l'égard de ceux qui n'avaient pas eu la chance et le privilège de le suivre et n'avaient pas eu la chance et le privilège d'avoir toutes ces années et toute cette possibilité d'aborder le monde de façon diverse et variée, et des pensées, et ainsi de suite, pour essayer de contribuer de la meilleure des façons possibles à notre société. Alors, comment leur être redevable, puisqu'on est quand même dans une école de commerce où les gens se destinent à travailler dans le secteur privé, comment leur être redevable en travaillant dans le privé ? Je pense qu'on est à une phase de... J'avais fait un discours à Polytechnique en 2019, à l'époque où ce n'était pas encore à la mode, de transgression par rapport à justement cette fascination qu'il pouvait y avoir et qui s'effondre progressivement relative à cette notion d'élite, de classe dominante. Et j'avais trouvé le public déjà très réceptif, ce qui était parfaitement impossible quelques années auparavant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise existentielle qui est assez généralisée au sein d'instances comme la vôtre, qui est liée, à mon avis, à de nombreux facteurs, et peut-être, je suis en train de le lire en ce moment, à ce que Günther Anders décrivait comme la disjonction croissante entre la capacité d'agir que nous donne notre appareil productif et notre capacité à nous lier. Enfin, là, je réinvente complètement Günther Anders, mais ce n'est pas grave. La question est la suivante. La modernité et le développement de la société techno-industrielle nous a donné une capacité d'impact qui est complètement démesurée par rapport à notre capacité d'affect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombre de personnes au sein de cette société produisent des conséquences incalculables. Par exemple, on va prendre notre mode de vie, notre mode d'alimentation, des choses qui peuvent sembler très anodines, carnées, va nous amener au quotidien à produire la mort d'un nombre d'animaux extraordinaires, que ce soit directement par ceux qu'on consomme ou indirectement par ceux qui ont été justement consommés dans le processus de production de nos aliments, qui est complètement inconcevable si, qui aurait été complètement inconcevable si nous étions en lien direct avec la production de ces aliments. Et ça génère beaucoup d'angoisse et de débats au sein de la cause animaliste sur la façon ou non de réussir à conscientiser les individus quant aux conséquences de leur impact, enfin quant à l'impact pardon, de leur comportement et de leurs habitudes alimentaires. Et bien cela, ça se retrouve dans toutes les dimensions de la société. Alors c'est masqué par quelque chose qui s'appelle l'argent, qui est en fait votre puissance d'action. Je pense qu'il n'y a pas plus, il y a pas de névrose dégénérative plus importante que l'obsession de l'argent pour l'argent. C'est quelque chose que j'ai notamment rencontré chez un certain nombre de ces oligarques. Toute personne relativement saine sait que l'argent n'est qu'un moyen de déployer votre capacité d'agir sur le monde et d'avoir un impact plus ou moins important sur celui-ci. Et cet argent sert souvent de masque à travers la monétisation du produit fini, une voiture et ainsi de suite, par rapport à l'impact réel qu'un geste aussi bête qu'acheter une voiture va avoir derrière, à la fois sur l'environnement, l'écosystème et les très nombreuses personnes qui vont être employées pour le fabriquer. Et ça crée paradoxalement des effets, donc ça c'est assez classique ce que je vous décris, mais ça crée des effets qui sont plus pernicieux, c'est-à-dire qu'à la fois qu'on a un accroissement de l'impact et une virtualisation de notre impact sur le monde, on va avoir une réduction de notre capacité à rencontrer l'autre et à nous lier à l'autre. Et en fait, on va avoir une souffrance qui va s'accroître parce qu'en fait, on va être diverti par les mécanismes de médiation
Et là, il y a tout un développement qui est très intéressant dans ce livre, L'obsolescence de l'homme, sur cette question de la médiation du divertissement, de la télévision, de la radio, ainsi de suite, parce que c'est dans les années 50, mais ça pourrait être étendu aujourd'hui aux réseaux sociaux, qui va accroître un sentiment de solitude extraordinaire et qui va nous pousser dans une quête compulsive et effrénée, au contraire, de surconsommation, de surtentative d'action de façon médiée sur le monde. Je vais juste rebondir sur deux choses. Première, j'ai l'impression que dans votre critique, je pense que vous parlez des écoles d'élite, il y a des choses qu'on peut entendre évidemment, mais vous faites fi du changement de mentalité chez les étudiants. Par exemple, je ne sais pas, à Polytechnique, il y avait un espace LVMH qui devait être installé. HEC, on a eu Total qui est arrivé, ils se sont fait cancel. Oui, c'est, j'en ai parlé au début de Selon Laïus, pardon. Justement, je partais sur cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une conscience, il y a une forme de crise existentielle qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans, avec des formes d'engagement qui, en tout cas, au cours des études, parce que ça en reste encore un espace où la dépendance au système justement de production est moins importante, parce que c'est un moment qui vous est laissé de répit et de non-dépendance par rapport au système de reconnaissance qui sont mis en place par le système actuel, puisque vous venez d'être consacré en fait en intégrant ces institutions, eh bien permet cette latitude qui peut être féconde. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que vous, si vous l'approchez par votre individualité, vous allez pouvoir rompre avec les mécanismes d'asservissement auxquels vous êtes soumis. Et en fait, ça va être quasiment impossible. C'est-à-dire, des dispositifs de ressouverainisation comme ceux que j'ai tenté de mettre en œuvre, ils passent par une exceptionnalité des parcours qui est d'abord franchement sacrificielle, très douloureuse, et qui ne peut être intéressante que si elle devient féconde à un moment collectivement, en entraînant des formes de rupture et de subversion révolutionnaire, et non pas simplement en s'installant dans des recherches d'attention. Et ça exige un engagement théorique et intellectuel très important qui n'est pas encore complètement développé en France. Moi, je vois beaucoup en Afrique avec des élites panafricanistes qui sont extraordinairement versées justement dans l'étude des luttes de libération qu'ont connues leurs ancêtres immédiats, parce que c'est des personnes qui ont connu la liberté politique que très récemment. Qu'en fait, les luttes d'émancipation postcoloniale, j'entends la lassitude qu'il y a en France quand on reproche par rapport au système colonial et ainsi de suite, mais il faut, si vous vous décentrez et si vous allez sur les territoires qui ont subi ces colonisations, c'était avant-hier, c'était il y a à peine quelques décennies, et ces quelques décennies, elles ont été habitées de souffrances, d'errements, de tentatives de mise sous tutelle néocoloniale et ainsi de suite, qui rendent très difficile en fait la pensée que ce serait un temps révolu. Et donc, ils sont encore dans une forme de théorisation de leur existence, ces militants dont je parle et que j'ai l'honneur de défendre en Afrique et aux Antilles et à travers de la question de l'identité noire, mais c'est quelque chose qui, en France, eh bien, de par l'éloignement par rapport aux luttes que l'on a pu connaître, qui sont en fait beaucoup plus antérieures, eh bien, reste en jachère et est difficile à générer. On va faire une petite pause un peu plus légère maintenant avec le traditionnel petit jeu des mardis. On va donc vous poser trois questions, chacune avec plusieurs choix de réponses, pour avoir un peu votre avis sur des questions plus légères. Donc la première question, c'est parmi ces trois personnages, quel est selon vous, qui vont apparaître juste ici même, quel est selon vous le meilleur combattant de l'élite et des inégalités sociales? Donc en premier, on a Robin des Bois. En deuxième, on a Dan dans Gossip Girl. C'est pas grave si vous n'avez pas la référence. Et en troisième, on a Booba dans sa lutte acharnée contre les influenceurs. Ok, j'ai lu des choses très très intéressantes sur la figure de Robin des Bois, mais je ne les ai pas en tête, donc je ne pourrais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Mais c'est vraiment une figure de cristallisation très intéressante des engagements politiques et des contre-luttes, des figures contre-insurrectionnelles qui peuvent naître à travers des apparences de subversion. Je vais parler de Booba parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé ces derniers mois, dont je connais assez bien le combat et la personnalité, et qui lui est dans une lutte assez instinctive et très saine, à mon sens, qui est de dire on est dans une situation où on a créé des dispositifs juridiques qui protègent des escrocs. Ces dispositifs juridiques, ils partent d'une idée qui semble positive, qui est la lutte contre le harcèlement. Et alors, d'ailleurs, ça fait écho avec la position du gouvernement actuel qui ne fait pas... Vous savez, quand vous servez que des intérêts et que vous n'avez aucune pensée politique, le seul recours que vous avez, c'est l'émotion. C'est la prise émotionnelle sur les populations et l'instrumentalisation de questions qui vont susciter une forme d'attachement affectif. Donc, le harcèlement, la lutte contre le harcèlement, c'est la chose la plus facile
à instrumentaliser, à signifier. C'est-à-dire que vous arrivez à l'Assemblée nationale et vous commencez à dire Philippe, 13 ans, s'est suicidé, c'est horrible, nanana. Puis après, Leïla, 14 ans, nanana, etc. Nanana. Donc au départ, c'est très difficile de s'opposer à toute mesure que vous allez proposer dans ce cadre pour protéger ces pauvres enfants qui sont en souffrance. Il y a un enfant en souffrance, c'est un peu comme tous les discours humanitaires qu'il y avait dans les 80 et 90 pour aller sauver les enfants en Afrique. Vous voyez, vous vous dites, bah oui, c'est bien, vous y allez, vous tombez dans le piège, et après vous vous rendez compte des années après que vous avez fait que participer à la destruction des écosystèmes locaux et des fonctionnements des sociétés traditionnelles, mais qu'importe. Donc là, on est dans une situation, celle-ci, où Marlène Schiappa, donc éminente figure de la politique contemporaine, a fait adopter une loi en 2018 contre le cyberharcèlement. Là aussi, ça a l'air quelque chose de parfaitement sain et important, et elle utilisait les exemples d'Émilie, 13 ans, qui s'est faite cyberharceler à la sortie de la cour d'école et compagnie. Et du coup, on a un vote quasiment à l'unanimité du Parlement pour dire « Ah oui, oui, il faut absolument adopter une loi contre elle ». Sauf que cette loi n'a eu pour fonction depuis que de protéger, ou quasi exclusivement, des influenceurs qui sont des escrocs, qui, parce qu'ils font des escroqueries qui sont démasquées à un moment donné, se retrouvent à se prendre des vagues de haine par des personnes qui sont indignées par leur comportement et qui cherchent à le réguler parce qu'elles voient des déficiences de la part de l'appareil étatique pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse prospérer pendant des années des escrocs sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, qui proposent des comportements antisociaux avec une mise en scène de la célébrité et de l'argent gagné à vitesse grand V à Dubaï et compagnie, qui crée une fascination dans les classes les plus défavorisées, parce que si vous êtes en train de connaître une crise existentielle et une forme de détachement par rapport à l'idéal de la réussite qui pouvait habiter vos aînés, les classes populaires, elles, restent asservies par le fantasme. Par le fantasme que l'on génère, notamment Dubaï est devenu le cœur de cette fabrication d'un imaginaire. Je vais me permettre de vous couper. Ouais, de faciliter. Mais c'est important que je finisse là-dessus. Parce que, en fait, du coup, ça les amène à dépenser de l'argent n'importe comment pour acheter des faux produits et à perdre encore un peu plus du confort et du minimum de capacité de vie qu'ils avaient. Et cette loi les protège donc. Et Bouba, à un moment donné, dit « Mais c'est n'importe quoi, il faut lutter contre ces gens-là. » Et il se retrouve mis en examen parce qu'il a dénoncé Magali Berda, qui par ailleurs, comme par hasard, était l'une des plus proches amies de Marlène Schiappa. Et donc ce combat, en fait, de la société contre l'État est un combat fondamental, en ce qu'il est un combat de révélation assez intuitif, qui n'a pas besoin de développer de grandes argumentations intellectuelles, et qui montre comment, à partir de l'instrumentalisation d'une cause qui peut sembler saine, vous pouvez vous retrouver dans une situation de dévastation de vie. Moi, j'ai dû défendre des gamins qui s'étaient fait lever à 6 heures du matin en garde à vue pour organiser des procès-spectacles à Paris pour satisfaire la presse et le gouvernement qui les avait ordonnés dans des affaires qui étaient inconcevables de violence que plus ça simplement, générait. Simplement, vous choisissez Bouba, alors. Oui, Bouba, oui. Je pourrais vous faire toute une conférence sur Bouba. On va monter en intensité. Heureusement, il n'y en aura que deux. Alors, quel moment médiatique préféré? Parce que un coup d'éclat, ça ne fait jamais de mal. Alors d'abord, on a votre passage sur Touche pas à mon poste. Où vous criez haut et fort. Des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Ça, c'est pas bien. Vous criez haut et fort que l'ensemble du plateau prend de la coke. Le plateau ouais, parce est en que panique. C'est un moment où ils essayent. On a plusieurs choix. Mais je vous dis deux mots parce que j'en ai jamais parlé. C'est un moment où on essaie de me mettre en étau. Vous voyez, donc j'ai une accusation de viol complètement bidon qui tombe contre moi. Et Hanouna sent le sang et décide de m'inviter pour essayer de me dévaster. Et donc il commence à essayer de me culpabiliser parce que on aurait pris un cachet de la maline, donc l'équivalent d'un tiers de codéliprane. Mais est-ce qu'ils prennent de la coke? Pardon? Est-ce qu'ils prennent de la coke sur le plateau? Voilà. Et donc à un moment donné, il y a une forme de surgissement. Il presse. Et à un moment, vous dites, mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous êtes en train de me faire la leçon sur. Alors que, et en effet, moi, je sais quelles sont les pratiques de ces gens-là, y compris intimement, donc je sais qu'ils ne peuvent pas nier, mais c'est plus une réaction de survie, et la vrille, en fait, qui va prendre Hanouna dans la foulée, où il va se sentir immédiatement visé, alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était plus une réponse rhétorique à ce moment-là, dire arrêtez, vous ne placez pas en position de perdre la morale, va entraîner, en fait, derrière un dévoilement de sa part, qui, parce que c'est une émission en direct, va pouvoir être contrôlée et va l'exposer durablement. Et deuxième passage, alors c'est quand vous êtes arrêté à la frontière mauritanienne. C'est un peu plus triste, mais la photo est quand même mystique. Vous êtes déguisé en pêcheur.
Non, mais on n'est pas, ça c'est rigolo, on n'est pas déguisé. Enfin, j'ai mes écouteurs parce que je suis en train de me mettre un podcast sur l'Iliade, parce qu'on va, on va se prendre 20 heures de balade en pirogue à travers l'Atlantique et qu'on risque de couler ou de mourir. Donc je me dis autant nourrir mon esprit en attendant. Et j'ai l'imperméable parce que je peux vous assurer que 20 heures sur l'Atlantique dans cette pirogue, vous avez intérêt à avoir votre imperméable parce que sinon vous allez mourir d'une pneumonie dans la foulée. Sur le choix des lunettes. Et le choix des lunettes. C'est la touche esthétique finale. Et là où c'est moins drôle, c'est que la personne qui a pris cette photo, pourquoi cette photo a été diffusée, encore une fois, je vous le disais, c'est les autorités sénégalaises qui l'ont diffusée parce qu'elles ont mené une traque pour savoir qui m'avait accompagné pendant cette période. Et ils envoyaient en détention ces individus aux côtés de ceux que je décrivais dans la prison de Rebeus, donc au centre de Dakar, et ils se retrouvent placés en détention provisoire indéfinie pour faire payer des personnes du fait du geste que j'avais commis, mais qu'ils ne pouvaient pas payer eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de capacité à faire payer eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient pas de capacité à le faire. Donc ce sont des corps sénégalais qui sont en train de le payer. Donc pour la troisième question, avec quel ami pourriez-vous volontiers partir en vacances? On a encore une fois Atal pour renouer les liens entre les copains d'enfance. On a ensuite Cyril Hanouna pour sa maîtrise des sujets d'actualité. Et Andrew Tate, comme ça, à vous deux, vous êtes sûr d'avoir un taux d'approbation d'environ 1,2%. Moi, je serais curieux de... Enfin, il a l'air complètement fou, le garçon à la droite, Andrew Tate, donc je serais assez curieux de voir, je ne sais pas si j'y survivrais, mais de voir à quoi il... Enfin, ce que ça pourrait donner de passer quelques instants avec lui. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il produit, il génère autant de bruit, c'est qu'il y a une forme de folie qui devient fascinante, et qui n'est pas justement censuré parce que les réseaux sociaux vont promouvoir ces formes de dysfonctionnement. Quant aux deux autres, franchement, je pense que ce ne soit pas très intéressant de passer quelques jours. Enfin, je le sais par ailleurs et ça ne vaut pas la peine. Alors, on va passer à la deuxième partie de ce débat et on va essayer d'être un peu plus rapide dans nos échanges. Alors, vous avez fait les constats d'une société, pour reprendre vos termes, oligarchique, corrompue, avec de l'endogamie. Vient le moment des solutions. Alors vous avez une solution, c'est la révolution. La révolution, c'est une méthode, le fonctionnement révolutionnaire. Donc il y a deux ouvrages auxquels je vous renvoie. On va pas vous faire un exposé de théorie politique, ce serait pas très intéressant. Mais donc j'ai écrit Coup d'État, manuel insurrectionnel qui essaye d'envisager entre l'élection, la révolution et le coup d'État les différentes options qui se présentent à un peuple dans une situation d'étau comme l'actuel, et qui finit par conclure qu'en fait, de toute façon, une révolution ne se matérialise pas sans coup d'État, intégré au sein de ce système révolutionnaire, qu'il n'y a du coup pas de différence particulière entre ces deux dispositions, et qu'il faut, si l'on est dans une forme d'engagement qui a du sens, et qui est foncièrement voué à une forme de réussite, et non pas seulement un cantatoire de salon, il faut se préparer à ce coup d'État. Et abattre l'ennemi, c'est plutôt la succession de mesures qui devraient être prises, notamment sur les questions médiatiques, mais aussi de représentativité, ainsi de suite, pour reféconder une forme de société qui puisse générer de la beauté. Alors très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, en France, les conditions sont réunies pour une révolution, si on est pragmatique? Elle s'en approche, oui. Oui, je pense qu'elle s'en approche. Et alors, quel sort serait réservé dans le cadre de cette potentielle révolution aux ennemis? Bernard Arnault, Glaminiel, vous avez une solution pour... Je vais me permettre de reprendre une phrase qui ressort surtout quand même dans votre ouvrage. Vous avez déjà été confronté à ça. La fin des rois approche et la lame sanglante sur leur nuque fraîche et préservée s'apprête à tomber. Vous avez un petit côté Robespierre? Oui, j'avais pensé plutôt aux cellules en plexiglas. Enfin, vous savez, à Concorde, il y a des remblais, place de la Concorde, qui couvre des fosses qui avaient été des hauts lieux de prostitution sous le Troisième Empire, et on avait mis des arbres fruitiers ensuite. Donc, si on veut jouer vraiment, il y a aussi les Kerguelen, hein, ça c'est un ami. Donc, votre rêve, ça serait d'afficher Bernard Arnault, Emmanuel Macron, sous des vides de plexiglas? Non, on peut leur proposer un deal entre 30 ans de prison dans des conditions normales, à Fleury ou autre, ou quelques mois ou quelques années dans ces géoles en plexiglas où ils seraient exposés à chacun. Et puis, c'est à eux de choisir quelle forme de dignité ou d'indignité ils choisiraient. La question de la méthode de la répression par rapport à l'inimitié politique, et c'est là en fait où on devient, derrière la blague, très sérieux, elle est cardinale pour la réussite ou l'échec d'un système révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut très rapidement cibler les personnes qui auront vocation à le faire échouer, non pas du fait du mal qu'ils auraient généré, mais du mal qu'ils pourraient générer par la suite.
Alors moi, j'ai l'âme charitable, je sais qu'on est dans une institution qui a été fondée par les jésuites, ça m'a été rappelé dès mon arrivée. Donc évidemment, j'ai grand cœur et un désir de pardon très important. Mais tout système politique fonctionne à un ou un autre par le rapport de force. Et celui qui... Un rapport de force qui devrait outrepasser la loi quand même. Non, mais la loi, c'est l'expression de la volonté générale, mon cher ami. Donc si la loi, à un moment donné, si la volonté générale vous amène à vouloir réprimer d'une façon ou d'une autre des personnes dont vous savez qu'elles sont nuisibles au système démocratique, eh bien, la loi sera adaptée de cette façon. De la même façon que le droit n'est qu'un instrument du politique. Il faut pas fantasmer ou fictionnaliser les instruments qui sont octroyés aux forces de l'ordre et aux autorités. Elles ne sont justement que des instruments et toute la panoplie peut être adoptée afin, encore une fois, de dégager les obstacles pour rendre la souveraineté au peuple français. Donc on en parle et je fais le malin depuis une heure et on fait un peu les malins ensemble, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on n'est pas loin en fait du renouvellement de cycles de violence qui pourraient amener à des situations comme celle-ci très rapidement. Et il faut s'y préparer, non pas dans le sens d'accélérer vers celle-ci ou de chercher à les adopter, mais à essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui génère en fait cette forme de frustration et quelque part de violence au sein de la société. Juste pour revenir, vous avez parlé de volonté générale, mais historiquement, il me semble que les révolutions ont toujours été menées par des minorités. Est-ce que vous pensez quand même en France, un pays qui va avoir une vision très négative des éléments violents lors de manifestations, on pourrait avoir une majorité qui serait pour une révolution? Si vous voulez une révolution, vous devez assumer le fait que la majorité de la population ne serait pas d'accord avec vous. Je pense que c'est assez spéculatif. Vous savez, si on en croit les sondages d'opinion qui excitent tant nos dirigeants, jusqu'à l'acte 3, il y avait 85% d'approbation du mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est une jacquerie, ce n'est pas une révolution. Qu'est-ce qui transforme une révolte en révolution? C'est le coup d'État. C'est la capacité pour les personnes qui sont sur les Champs-Élysées de se diriger non pas vers l'Arc du Triomphe, mais vers l'Élysée qui se trouve à côté. Il se trouve que ça n'a pas été fait pour toute une série de raisons que j'analyse dans mes ouvrages, mais c'est de l'ordre du circonstanciel. Structurellement parlant, ça aurait été parfaitement possible, et avec un peu plus de préparation, ce serait arrivé. Et là, vous serez retrouvé avec un mouvement populaire bénéficiant d'un soutien massif qui, s'opposant aux élites politiques en place, aurait eu à générer un nouveau système politique qui, en effet, est pour vocation non seulement de générer l'approbation, mais surtout l'investissement et la participation des populations en ce nouveau système afin de garantir leur souveraineté. Mais que ce soit une révolte ou une révolution, comment est-ce qu'on peut souhaiter ça à l'échelle nationale? On a bien vu ce que ça avait donné pendant les émeutes, et au final, la majeure partie de la population s'était rebellée, enfin, en tout cas, avait critiqué les émeutiers parce que c'était des infrastructures publiques, des hôpitaux, des crèches qui en pâtissaient derrière. Non, c'était plutôt les boutiques Louis Vuitton et compagnie, mais l'objectif de d'ailleurs, c'était fascinant. Dès le troisième jour des émeutes sur l'affaire Naël, vous faisiez une balade sur les Champs-Élysées et toutes les boutiques de luxe s'étaient complètement barricadées parce qu'elles savaient parfaitement qu'elles étaient ciblées. Et ce qui est assez paradoxal parce que on cherchait à... Oui, ça c'est le fantasme de l'hôpital qui aurait été attaqué pendant les Gilets jaunes, la fiction construite par Christophe Castaner qui était tellement désespéré que ce ne soit pas le cas qu'il avait fini par inventer une attaque contre un hôpital pour essayer de relégitimer son gouvernement. Des émeutes de ce début d'année. C'est et sur les émeutes de Naël, en fait, ça a été des pillages de commerce. Alors, il faut revenir après sur la nature politique ou non de ces émeutes. Il se trouve que c'est des débats qui ont été tranchés il y a un siècle et demi pour le coup dans l'analyse marxiste. Je ne sais pas s'il y a tort ou à raison, mais il y a la catégorie, je vais vous initier si vous n'avez pas de cours de marxisme, ce qui serait dommage, mais il y a le prolétariat, il y a le lumpen prolétariat. Le prolétariat est la classe ouvrière qui est organisée, qui a les capacités de s'organiser de façon à générer des révolutions politiques. Le lumpen prolétariat, c'est la classe quelque part d'en dessous. C'est celle qui est tellement précarisée, tellement atomisée, qu'elle n'a pas de capacité de générer des mouvements politiques, et qui va par essence devenir émeutière, va par essence se vouer en fait à des formes de jacquerie, parce qu'elle est dans une pure révolte existentielle qui va la mettre en difficulté. Est-ce que cette distinction est justifiée ou pas? En tout cas, elle semble avoir une forme d'effectivité en termes de grille d'interprétation du réel, et elle explique en effet le renversement d'opinion très rapide sur ces questions émeutières, sur ces émeutes de juillet dernier. Je pense que c'était assez différent pour les Gilets jaunes pour toute une série de raisons. Mais donc en effet, il faut réfléchir et structurer une forme de pensée par rapport à l'après,
C'est ce que j'essaye de faire dans mes ouvrages. Et ensuite, j'essaie de vulgariser dans les conférences que je donne à peu près sur les quatre coins du territoire. Alors, j'ai bien conscience qu'ici, je n'ai pas évangélisé des futurs bras armés de la Révolution, quoique peut-être que certains y trouveront une forme de plaisir et de jouissance. Ça a été le cas pour vous ? Non, ça n'a pas été le cas pour moi, parce qu'il faut quand même avoir conscience que... il n'y a pas eu de prise d'armes encore de mon côté. Enfin, peut-être qu'il y en aura un jour, mais à ce stade, je n'ai pas encore été formé en tant qu'artificier ou en tant qu'instrument d'une forme révolutionnaire. Moi, je reste dans une position intellectuelle et extraordinairement bourgeoise en tant qu'avocat. Mais c'est pour ça d'ailleurs que l'appareil politique en a tellement contre moi, parce que mon habitus bourgeois et ma fonction d'avocat est protectrice au sein du système. Et elle est très déstabilisatrice. Les défenses que je mets en œuvre dans mes affaires, que ce soit pour des gilets jaunes, des militants politiques de toutes sortes, elles viennent prendre de l'intérieur les armes du pouvoir et les renverser contre ceux qui... Et donc, en fait, on fait des salles d'audience et des tribunaux, en fait, des lieux contre-révolutionnaires, enfin, pardon, de lieux contre-révolutionnaires, des lieux révolutionnaires, ce qui donne des scènes abjectes et extraordinaires, où on essaye... le nombre de fois où j'ai eu des juges qui donnaient des leçons de maintien à mes clients, qui, désespérés parce qu'ils ne savaient plus comment avoir pris sur eux, lui disaient « Tenez-vous droit, monsieur, vous n'êtes pas dans une chambre ou je ne sais pas quoi », parce qu'ils ne savaient plus comment en fait marquer ces corps de leur autorité. Donc, ils en arrivaient à revenir à cette position de domptage, en fait, qui est assez classique de la part des classes dominantes, qui consistait à leur dire « Vous allez maintenant vous soumettre en vous tenant et en parlant d'une telle ou telle façon, alors que ce n'est pas du tout l'enjeu ». Des audiences. Donc ça crée une forme de violence extraordinaire qui rend fou un certain nombre de magistrats qui sont devenus magistrats parce qu'ils aimaient l'ordre et cette sensation d'autorité et qu'on détruit complètement. Et la capacité à obtenir des résultats, parce que c'est conditionnel, c'est-à-dire que si vous faites ça mais que ça donne que des peines de prison maximales à chaque fois pour vos clients, vous ne servez pas à grand-chose. Mais quand vous réussissez à gagner des procès contre Emmanuel Macron, contre Gérald Darmanin, contre Didier Lallement, que vous réussissez à engendrer en fait des processus politiques qui servent même des années et qui partent de cette forme de résistance judiciaire et légale, eh bien, vous devenez une cible, mais encore une fois, en tant que bourgeois, pas en tant que prolétaire ou pas en tant que bras armé de la Révolution, plutôt en tant que couverture institutionnelle de celle-ci. Mais alors, on va philosopher un peu. Comment est-ce qu'on peut se faire entendre au milieu de la violence ? Est-ce que ce n'est pas un peu antidémocratique que ceux qui vont faire du bruit, vont casser, se fassent derrière, plus entendre que ceux qui n'ont pas forcément les moyens de parler ? Et si justement il faut une vraie révolution, alors en quoi une révolution par la force est-elle plus démocratique que le système actuel ? La révolution, encore une fois, est un moyen. La modalité d'accession au pouvoir va déterminer une partie de votre mentalité politique, mais elle ne va pas définir ce que va devenir celui-ci. La notion de violence est fascinante. Moi, je répète, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais le plus grand écrivain français du XXe siècle avec Céline, pour moi, c'est Jean Genet, qui est un auteur particulièrement transgressif et troublant que je vous incite à lire, qui a cette phrase qui résume tout, qui consiste à dire « Il n'y a pas plus violent qu'une rose qui naît ». La rupture du bourgeon que va engendrer le bourgeon, elle est fondamentalement violente pour l'écosystème dans lequel elle s'inscrit et pour la plante qui va lui donner naissance, et elle est pourtant ce qui va engendrer de la beauté. Donc, qu'est-ce que la violence ? La violence, elle est omniprésente. Je rappelle aussi souvent 15 000 morts par an depuis 30 ans du fait du chômage de masse qui a touché notre société. C'est 500 000 personnes. Est-ce que c'est considéré comme une violence ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle comme une... Pourtant, c'est une violence qui est active et qui, au quotidien, s'applique sur des millions de Français. Mais c'est des Français qui n'ont pas accès à la visibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas excitant de montrer ou de voir le quotidien d'un chômeur à Roubaix qui a vu sa vie dévastée parce qu'il y a 40 ans, un fils de bonne famille qui venait d'échouer aux États-Unis a décidé de s'approprier l'appareil productif qui avait fécondé pendant plusieurs siècles la région pour la piller et en faire un empire à son unique service. Je parle de Bernard Arnault qui s'est approprié Boussac avec l'aide de l'État français et de Laurent Fabius pour créer LVMH et qui a détruit de façon durable ces régions et qui ne se sont jamais remises de la destruction du territoire qui a été engendré par la fermeture d'usines dont il avait promis qu'il les préserverait et qu'il ne les a pas protégés. Voilà. Ce quotidien-là, ces conséquences qui en fait vont être durables et qui vont s'étaler sur plusieurs générations, elles ne vont pas être télévisées. C'est-à-dire, un des grands artistes afro-américains qui disait ça, « Revolution will not be televised »,
la révolution ne peut pas être télévisée, pas tant dans ses effets, pas tant dans sa génération, que dans ce qu'il a causé et ce qui a amené. On va parler d'un de vos engagements plus récents. Vous défendez donc Ousmane Sonko, qui est un des principaux opposants politiques au Sénégal. Il se présente comme un fervent défenseur de la démocratie, lutte contre la corruption. Ce sont des combats qui font écho à vos convictions. Pourtant, il est également très controversé concernant ses positions particulièrement homophobes. Un argument phare de son programme électoral, c'est qu'il affirme vouloir intensifier la répression des homosexuels au Sénégal dès son arrivée au pouvoir pour, je cite, « préserver notre humanité ». Comment, au vu de vos propres combats, pouvez-vous faire le choix de défendre quelqu'un avec des convictions qui sont si éloignées des vôtres ? Oui, et le président actuel a fait un entretien au Monde, au journal Le Monde extraordinaire, dans lequel il a eu cette phrase qui dit « La criminalisation de l'homosexualité n'est pas homophobe ». Donc, à un moment donné, si vous arrivez avec votre regard occidental bien né, bien propre sur lui, qui a ses propres valeurs structurantes au sein de la société, et vous commencez à vouloir faire la leçon à vos clients ou à des peuples qui se sont levés pour réclamer leur souveraineté, c'est que vous n'avez rien compris à ce qu'ils sont en train d'entamer. Ousmane Sonko défend la souveraineté du peuple sénégalais, qui en l'occurrence est à 95% d'obédience soufie, donc une branche de l'islam particulièrement structurée autour de confréries qui ont permis à ce territoire de rester très éloigné du djihadisme et d'un certain nombre de déstabilisations qui ont été engendrées dans le monde contemporain grâce à l'Occident et le financement et l'appui qu'il a donné à des mouvements comme les mouvements tafkiristes ou les frères musulmans. Et dans ce cadre-là, ils ont un système de pensée et de croyance qui, en effet, place un certain nombre de valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres au cœur de leur projet. Est-ce que Ousmane Sonko refuse de me parler parce que j'habite une société qui envoie à l'abattoir tous ses vieux en les enfermant dans des maisons de retraite où ils sont parqués sans contact avec leur famille et sans aucune forme de rapport à la vie, en explosant complètement la cellule familiale qui est pourtant au cœur de tout processus civilisationnel? J'espère que non. J'espère qu'il me le reprochera, comme je peux lui reprocher, moi, d'avoir peut-être des positions qui ne correspondraient pas à mon système de valeurs. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette illusion qui consisterait à penser qu'on est en capacité, en mesure ou même en position de légitimité d'imposer, encore une fois, un certain nombre de valeurs, de systèmes de croyances à des sociétés que l'on contribue souvent à désintégrer parce que, encore une fois, par exemple, la lutte contre l'homophobie et les droits des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes des plus normées s'inscrit dans le cadre d'une société qui s'est structurée autour de ces valeurs. De la même façon qu'à l'inverse, dans d'autres pays, il va y avoir des pôles et cardinaux qui vont être différents. Et il est très difficile de jauger la structure en son ensemble et des effets qu'il va y avoir à appuyer sur un bouton en particulier et un point en particulier sans voir les déstabilisations qui vont pouvoir être enfantées. Ousmane Sonko, il a plein d'autres défauts à notre regard. Hein. Il est polygame. Il a deux femmes. Et ces deux femmes, d'ailleurs, ont pris la parole ensemble dans une émission télévisée il y a un mois pour dénoncer l'oppression qu'ils subissaient. Si Ousmane Sonko essayait d'imposer un modèle sociétal qui n'était pas celui qui est aujourd'hui celui du Sénégal, la critique, je pense, serait beaucoup plus recevable. C'est-à-dire qu'on serait en train de devenir les agents d'une idéologie qui viserait à transformer les choses. Là, en l'occurrence, il s'inscrit dans l'état de la société et il la représente. Est-ce que c'est à moi de lui expliquer qu'il faut la changer ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent l'influencer ou qui veulent l'influencer pour essayer de l'orienter dans une direction différente ? Ça, je pense que ça peut être sain. Mais il faut avoir à l'esprit que derrière, il y aura d'autres forces, elles, au contraire, très réactionnaires, qui feront le même travail et qu'il n'est pas du tout garanti qu'on sorte gagnant de ce combat-là et que du coup, cette question d'ingérence et de la souveraineté doit être posée. Bien, nous arrivons au terme du débat. Merci pour toutes vos réponses. Et maintenant, on a un court temps de questions-réponses, si vous le souhaitez. On en a beaucoup. Bonjour Monsieur Banco, merci beaucoup d'être venu à l'ESSEC. J'avais une question simple. Je ne vous ai jamais entendu parler de catholicisme. Du coup, je voulais savoir quel était votre avis sur la religion. Et parce que vous parlez souvent des milliardaires et du fait que leur seul objectif, c'est l'argent et le pouvoir pour le pouvoir. Mais j'ai l'impression que Bolloré est peut-être différent de ça en ce qu'il se confesse toutes les semaines, etc. Et on pourrait croire qu'il a une visée spirituelle plus grande que l'argent pour l'argent.
Oui, c'est comme la baïa et la pirogue. C'est cette anecdote qu'on raconte où Bolloré se baladerait avec son curé à tous ses rendez-vous importants pour impressionner ses interlocuteurs. La réalité est que Bolloré investit l'espace public avant tout pour essayer de renforcer son empire et d'en tirer bénéfice, et que la visée spirituelle de quelqu'un qui a construit son parcours sur le rapport à l'argent, parce que c'est fondamentalement ce qui a constitué cet individu, eh bien, on peut poser question dans le système même de valeurs qu'il prétend vouloir défendre, de la même façon que la façon dont serait défendu ce système de valeurs peut interroger. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel catholicisme. Et je peux vous dire que le pape François ne doit pas beaucoup le séduire, plutôt l'inverse. Et l'offensive qui a été menée dans Paris Match, dans CNews et compagnie, peu après qu'il les ait rachetés, pour promouvoir au contraire un certain nombre de cardinaux qui appartiennent à la branche très dure du catholicisme contemporain, montre plutôt que, enfin, devrait servir de signal d'avertissement, quelle que soit votre pensée, votre rapport justement idéologique au réel. Fondamentalement, il est malsain de dépendre de ces individus pour voir vos idées représentées. Et se satisfaire de ce qu'à un moment donné, un espace qui correspondrait à vos croyances a été créé par l'un d'entre eux, c'est tomber dans le piège et se soumettre en fait à ce fonctionnement qui demain, à nouveau, viendra vous avarier et vous soumettre. Donc je trouve que ce que fait Vincent Bolloré est fondamentalement anti-spirituel en fait, à tous les niveaux, et particulièrement dégradant et destructeur, y compris pour les personnes qui ont une croyance qui se rendrait à ces pensées-là. C'est une question fondamentale parce que il y a ce que vous présentez, c'est-à-dire une offensive qui serait positive, c'est-à-dire qui viendrait à partir d'une croyance, qui voudrait tendre ou pas. Non, je ne dis pas que c'est votre avis, mais enfin, telle qu'elle est présentée. Et il y a le réel que l'on voit au quotidien, c'est-à-dire quand même des médias qui vont fonctionner par l'exclusion, la stigmatisation, le dénigrement et une pauvreté de pensée et d'élaboration justement psychique, spirituelle et ainsi de suite, qui est particulièrement marquée. Ce n'est pas Pascal Pro qui va évangéliser la société, vous voyez, enfin, ou alors... Donc c'est pas Nouna non plus, c'est pas donc vraiment ne pas se satisfaire de ces mécanismes-là. Je pense que c'est fondamental. Une dernière question, si la réponse oui, est longue, bonsoir. Sinon il en restera deux. On en prend quelques-unes quand même, non? Les pauvres. Après, ça dépendra de votre efficacité. Mais on a le cocktail juste après pour continuer l'échange. On a le directeur de la vie étudiante qui peut nous autoriser ou nous interdire à la prolongation. Réponse rapide. Bonsoir. Vous dites que de nombreux fonctionnaires sont aux mains de quelques oligarques. Est-ce que, selon vous, le renversement peut uniquement venir du bas, et donc par le peuple? Ou est-ce qu'il y a une configuration dans laquelle un candidat politique ou un candidat au présidentiel peut se détacher de cette emprise et changer la donne? Si j'ai bien compris, vous m'avez parlé des fonctionnaires, non? Pour commencer, c'est très... Mais les hauts fonctionnaires, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a... Le fonctionnement oligarchique, que je n'ai pas du tout décrit, il faudrait lire les livres pour voir en détail comment ça fonctionne, a créé une déplétion de ressources de l'État très importante. Parce qu'en fait, la corruption, il faut la financer, ça coûte de l'argent, la corruption. Il faut investir des fonds de plus en plus importants. Et les mécanismes de pillage qui sont mis en place par ces oligarques finissent par retirer, en fait, une capacité d'action de l'État qui elle-même va atteindre les vies de ceux qui, à un moment donné, avaient cru en cette fiction et étaient décidés, à travers l'ENA ou d'autres institutions, à s'insérer dans ce système, évidemment pour servir le bien commun et ainsi de suite, mais surtout pour vivre des vies plus ou moins excitantes et passionnantes. Et je pense que Macron a été un peu un fantasme pour ces gens-là, parce qu'il fait partie de ces dernières exceptions en fait, de hauts fonctionnaires, enfin, de personnes qui, passant par l'ENA et par les concours de la fonction publique, ont réussi à vivre, entre guillemets, un destin d'exception à travers la banque Rothschild et ainsi de suite. Ça, c'était la norme dans les années 80 et 90, notamment avec les vagues de privatisation qui ont permis en fait une circulation très importante entre la haute fonction publique et le privé. Et ça permettait à des jeunes énarques de devenir très rapidement, très jeunes, à 30-35 ans, patrons de très grandes entreprises qui venaient d'être privatisées, par exemple. Et à partir de là, ou en tout cas numéro 2 et numéro 3, de construire des fortunes et aussi d'avoir une prise sur le réel très importante. Sauf qu'à force
de réduire le périmètre de l'État, eh bien, les possibilités de pantoufles se réduisent elles aussi, l'excitation que peuvent se ressentir les hauts fonctionnaires se réduit elle aussi, et il y a une forme évidemment aussi d'évidement, y compris en amont, c'est-à-dire il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à passer ces concours, avec une perte de niveau, et vous retrouvez en fait dans l'effondrement que l'on est en train de connaître. Donc ça c'était sur la haute fonction publique et sur le rapport aux politiques. Moi, c'est ce dont j'essaie de débattre dans coup d'État. Je pense que l'emprise oligarchique et donc la prise de contrôle sur l'espace, sur la visibilité, est trop importante pour pouvoir, à travers l'élection, générer une rupture fondamentale. C'est-à-dire que vous devez en passer un moment ou un autre, soit par les oligarques, soit par les oligarques et leurs intermédiaires comme Yves Marchand et ainsi de suite. Et encore une fois, je trouve que l'exemple de Gabriel Attal est très pertinent parce qu'il permet de montrer en fait comment, quand vous avez ces appuis-là, tout d'un coup, vous allez avoir une puissance de frappe extraordinaire, alors que rien dans votre parcours ne vous y prédestinait, alors qu'à l'inverse, des personnes qui essayent de construire des choses différentes au sein de même, ces mêmes espaces politiques vont avoir beaucoup plus de mal à avoir accès à des fonctions de décision et de politicité. Et il y a l'esprit que Gabriel, que j'aime beaucoup, hein, il ne faut pas penser que c'est à titre de pur exemple que je prends ça, n'a pas présenté un seul budget. C'est-à-dire qu'il a été ministre du budget et il a réussi à s'exfiltrer avant d'être... Donc c'est-à-dire que notre capacité à exercer notre jugement sur sa qualité et sa capacité à effectivement, au-delà des distractions sur la Baïa et compagnie, être un homme politique qui va servir le bien commun, elle est très limitée. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui avait eu grand mal et qui n'avait pas réussi finalement à passer à travers les mécanismes parlementaires la seule loi qu'il avait préparée au cours de son mandat comme ministre de l'économie, au cours de ses fonctions-là. Et on s'est retrouvé dans une situation de sidération et d'accélération du tempo médiatique qui a fait qu'on a eu à élire quelqu'un qui ne nous avait rien démontré, ni en termes de sacrifice, ni en termes de compétences, etc., seulement à partir de l'ouï-dire, à partir de la perception et de l'image que l'on avait fabriquée de lui. Et on se retrouve du coup dans une situation qui du coup est une forme de dépossession de l'espace politique qui peut nous heurter. Et une ultime question avec une réponse efficace. Bonjour Monsieur Branco. J'aimerais revenir un peu sur vos interventions par rapport au Sénégal. Moi, je suis Camerounais, donc je suis vraiment intéressé par la situation politique en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale notamment. Quels sont, selon vous, les différents moyens qu'on pourrait mettre en œuvre au Sénégal pour éviter de se retrouver dans des situations comme au Niger ou au Burkina? Et deuxième volet de ma question, est-ce que vous pensez que la France, parce que je vous suis sur les réseaux et parfois vous vous plaignez de la complicité de la France avec la dirigeante de ces pays-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu le sentiment anti-français qui existe déjà en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est-ce que ce ne serait pas contre-productif que la France intervienne pour aider ces opposants politiques-là? Oui, c'est ce qui explique le sentiment d'impuissance absolue de l'Élysée par rapport aux situations actuelles. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un changement de paradigme qui consistait à cesser d'intervenir directement dans les processus politiques centrafricains et ouest-africains. Et du coup, ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle à une vitesse grand V et ils se sont retrouvés dans une position d'hystérisation de la situation avec la crise au Niger, où ils étaient prêts à faire la guerre dans le pays le plus pauvre au monde pour essayer de reprendre pied et de mettre fin à ce processus de désolidarisation du continent africain vis-à-vis de la France, ce qui montre quand même le niveau de psychiatrie de nos dirigeants. C'est-à-dire que porter les nuées de la guerre dans des territoires comme celui-là, je peux vous dire qu'il faut vraiment être... Je ne sais pas si perché, mais dans une dimension parallèle au réel que connaissent ces millions de personnes. Donc la France, elle s'est mise dans un étau d'elle-même par absence de pensée. On avait prévenu très tôt que Emmanuel Macron, lui-même prolongeant les politiques de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, était en train de créer le tombeau de ce qu'était l'ancienne France-Afrique, ce qui n'était pas pour nous déplaire. Et là, on se retrouve quand même dans une situation où, il n'a rien compris et surtout il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, avec du coup une dégradation de notre capacité d'impact international en tant que pays très forte, et de l'autre côté des errements qui sont sidérants. C'est-à-dire que là, vous êtes du Cameroun, donc vous avez la chance extraordinaire d'avoir un président qui, si je ne me trompe pas, a 90 ans, et avec le candidat de substitution à cet individu, soutenu par la France, que Emmanuel Macron a rencontré quand même lors de sa visite et qui utilise les réseaux français pour faire venir Mbappé et compagnie pour continuer à commencer à construire sa popularité, c'est son fils qui a 50 ans, Franck Mbia. Donc, je veux dire,
on est dans une situation de la même façon que Emmanuel Macron, pendant la campagne de 2022, faisait un voyage en Afrique centrale de l'Ouest ou au Gabon pour aller voir Ali Bongo, qui était quand même à l'époque déjà quasiment tétraplégique parce qu'il avait fait un AVC et qu'il continuait à diriger de façon fantôme ce pays, probablement pour récupérer des fonds. Donc, quand on est dans des structurations de cet ordre-là, il n'y a rien à attendre ou espérer de ces individus. J'en ai déjà parlé d'Emmanuel Macron, je ne reviendrai pas, mais ce côté absolument insupportable d'arrogance provincialiste qui, parce qu'il a fini par réussir quelques concours de la République très tôt, sans avoir jamais voyagé ni connu quoi que ce soit du reste du monde, se retrouve à croire qu'il peut donner des leçons, notamment aux dirigeants africains et à leur peuple sur la façon dont ils devraient se diriger, à jouer un rôle accélérateur catastrophant de l'effondrement de notre influence et de notre capacité à accompagner ces peuples dans leur émancipation, qui s'ajoute à une médiocratisation très très importante du personnel politique qui l'entoure, et notamment de notre personnel diplomatique. Merci Monsieur Branco d'avoir été avec nous ce soir, et merci à vous tous d'être là. Et on peut se retrouver du coup pour le cocktail, pour continuer cet échange de façon plus informelle.